Amis, j'ai une très très bonne nouvelle. Normalement, cette semaine, là, avant de rentrer sur Nanterre, je libère le pigeon. Hier, dans la chambre, il est monté tout seul. Après, je l'ai pris, je l'ai sorti dans la salle. Et en fait, le pigeon, il commence à voler. Il commence à voler petit à petit. Ben, si je le libère ici, c'est bien. Il sera en sécurité dans un terrain privé. Et je pourrai le revoir. Là, je cherche mon petit oiseau. Je peux me la poser mon collègue, celui à qui j'ai cassé le chargeur. La journée commence par le petit rituel, nourriture du petit bébé, nourriture des oiseaux, etc., etc., etc. Est-ce que je suis en forme ce matin? C'est moi le speaker, c'est moi qui mets l'ambiance sur la colonie. Amis, quand je vous dis pas de vocaux, c'est regardez, je l'ai écrit et je vous assure que je ressens encore que des vocaux. Je crois il y en a, ils ont pas compris qu'ici j'ai pas de réseau. Je sais pas si vous voyez là à côté de mon œil droit, il y a un truc qui charge. Et ça, c'est juste quand j'ai pris la capture, c'est quand ça chargeait pour vous dire que j'ai pas de réseau. J'ai pas de réseau, c'est à dire que les vocaux, je peux pas les écouter. Donc, quand on m'envoie un vocal, j'enregistre et j'écoute pas. Je crois qu'il y a pas plus honnête que moi sur ça, sur le fait que j'écoute pas les vocaux quand je suis en colonie. Je répète, il n'y a pas de réseau. J'ai même enlevé mes animaux à côté du Stropico. Il y a écrit « Pas de vocaux, s'il vous plaît ». J'ai pas de réseau. J'ai pas de réseau. Faut que ça rentre dans votre tête. Oh, je t'ai réveillé, mon fiston. J'ai mis un petit drap pour qu'il dodo. Hop, tiens, reste au chauffe ici. Hop, les fenêtres sont fermées. J'allume le chauffage au max. Voilà. Le fiston au chaud. Regardez, le pigeon, il a moins peur de moi. Alors, on va dire, là, je vais poser le matériel. Hop, je le récupère. Hop, je prends ma petite corde. Eh, je crois que je vais le libérer. Je crois que je vais le libérer. En plus, ma colo, c'est une colo privée, donc il sera bien ici. Eh, doucement, vous autres. Bon appétit, Gargamel. Hop là. Et... Hop là. Et... Ça y est, t'as plus faim? Ok. Là, on va aux courses avec ma petite bipolaire. Je suis pas bipolaire. Là, elle sourit aujourd'hui. J'aime trop quand tu souris. Je suis pas bipolaire. Ça, c'est quand tu cherches la sous-marque. Tu te baisses bien en bas. Les amis, j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Bon, ça concerne un animal que j'ai. Mais là, j'ai trop trop de missions pour vous poster les vidéos tout de suite. Pourtant, je suis en allège. Hein. Je travaille avant tout. Comment j'ai bronzé! Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, des contacts pour mon frère. Et c'est mon frère depuis la naissance. On a trouvé un rendez-vous à 18h30 à Sion sur Océan. Donc merci à tous, vraiment, tous ceux qui m'ont envoyé des contacts. Vous avez été nombreux. Je ne savais pas que j'avais autant de monde en Vendée. Mais merci beaucoup. Là, j'ai un petit passager clandestin. Il va venir avec moi à Saint-Jean-de-Mont. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais... Merci Magda. Oh, je suis trop content. C'était très très dur ce trajet en vélo. J'ai les cuisses bien. Ceux qui me doivent des sous, préparez-vous. J'ai fait du sport sans faire exprès. À mon retour, je peux vous... Foutu pour foutu. Je vais me couper tout seul. Je préviens. Ça peut finir en boule à zéro à tout moment. J'ai ma collègue qui se propose gentiment de me foirer la tête. C'est le public qui va voter. J'accepte ou pas? Faites pas attention à mon œil fermé. J'ai quelque chose qui est rentré dans mon œil. J'ai mal. Les amis, j'ai une très bonne nouvelle. Malheureusement, cette nouvelle est accompagnée d'un peu de... Voilà. Comment on dit au cœur quand ça te fait un petit pincement? Un petit pincement. Qu'est-ce que ça, tu te moques? Ouais, non, c'est une bonne nouvelle, mais ouais, contre-cœur, on va dire. Je vous mets la vidéo tout de suite. Ça y est, elle est remise sur place. On l'a soigné pendant peut-être une semaine et demie. Et là, il est prêt pour la liberté. Je le libère ici. Pourquoi? Parce que c'est la colonie où je viens souvent. Il n'y a pas trop de prédateurs. Il y a deux corbeaux qui se battent en duel, 3-4 mésanges et rien du tout.
C'est fermé, c'est 15 hectares de colonies privées. Et du coup, on pourra se revoir. Incroyable ou pas les enfants? Ouais. Est-ce qu'on pourra promener? On peut promener les... Oh là là, ils volent, tu vois ça brille? Regarde, c'est un refait hein. Regarde. C'est toi, c'est la galerie, le lapin. Comment t'as fait le lapin? Incroyable. Non, c'est moi qui... En vrai, ils volent pas. Non, non, ils volent pas, je vais le prendre. Attends. Une blessure, c'est peut-être dû à ça, c'est peut-être à cause de ça qu'ils volent pas. Faut que je reste, c'est pas affecté. Je vous ai pas raconté, j'avais plus de batterie tout à l'heure, je me suis perdu. Je me suis retrouvé à Chaland et je sais que j'ai des gens de Chaland sur Snap. Ils savent que c'est en voiture, je crois. Ils sont à une heure de ma colonie. En fait, Saint-Hilaire, c'est là, on va dire c'est là. Ben, moi, je roulais dans ce sens au lieu de rouler dans ce sens. Avant d'aller de la S, je vais nourrir le petit bébé. Il y a un cheveu là-dedans. Hein? Attends, ton cheveu. Oh, on me l'offre. Non, c'est pas un cheveu, ça.